Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gaming Kim. On se retrouve aujourd'hui les gens pour Total Aquarelle Battle Simulator. Bien évidemment, comme avec vous, comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo, on a trouvé un nouveau mode. Yes, on a trouvé un nouveau mode. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus dans les commentaires et à liker la vidéo comme a dit Kim, et à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, voilà, et Twitter. Tout ça est dans la description les gens. Si vous voulez bien la dérouler, cliquez sur Instagram ou autre comme ça pour nous suivre. Ça nous fera extrêmement plaisir, bien évidemment. Voilà. En tout cas, tab, ça continue. On espère que ça vous plaît toujours. Vous êtes nombreux à attendre toujours la suite, tous les deux jours, bien évidemment. Donc yes, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner à ce que tab, c'est tous les deux jours. On le répète comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper aucune vidéo. Et comme on vous l'a dit, on a déjà un nouveau mode. Il n'y a plus les secrets, tout est parti, ça voilà, y est, c'est fini. Par contre, le mode tribal s'est vu doté de quelques petites unités en plus, notamment quelques unités. Voilà, quoi. donc on va vous présenter dizaines ça. D'unités en plus, avec le gatherer, le chasseur, le barbarien, le guerrier à la hache, le maître des massues, ouais, le tanner, je sais pas ce que la tamer, je sais pas ce que le ça signifie. Le petit mammouth, le jeune mammouth, le vieux mammouth, le chevalier, voilà. La roue Earlywell, donc early dans le sens préhistorique, ouais, donc la roue early, préhistorique. La roue d'avant. D'antan. Et le probablement chevaucheur de mammouth. Voilà. Voilà, donc ça donne envie. On va tester dans cette vidéo toutes ces petites unités. On va faire une spéciale tribal. On va essayer de tester du coup les tribales qui étaient la dernière team, je crois, contre qui s'était fait éclater autour des différentes factions contre tout le monde. Donc on va pouvoir retenter des combats contre des plus grosses unités. Mais non, mais on va faire la revanche des préhistoires. Et du coup, on va mettre chaque faction avec la nouvelle faction des préhistoires. Ils ont 10 unités en plus. Et bah c'est pas grave. Et bah non, c'est amusé. Non. Bon, on va tester ça, on va voir si ça les permet. Bah on va déjà tester les unités, on fera ouais, ça un petit peu après. Ça. Donc les unités, il y a le clubber bien évidemment, il y a le protecteur, il y a le spear thrower, le stoner, le bon mage, le chieftain et le mammouth. Ça, et à ce moment-là, on pourra mettre faction de. D'accès, c'est classique, voilà, on les connaît. Par contre, il y a le gatherer. Donc le gatherer, alors on les a pas tous testés, on a vu un petit peu visuellement à quoi ressemblait pour télécharger le mode. En tout cas, ces modes sont toujours disponibles au même endroit, donc il y a un Google Drive qui s'appelle Tabs Mode, je sais plus, à l'occasion, si vous me demandez, je mettrai le lien dans la description, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Après, dans la première vidéo des mobs, il y a quelqu'un qui l'a mis en description, oui, en commentaire. On regarderait. Alors lui, il est juste comme ça. Il est en mode paysan. Mais il doit peut-être avoir plus de vie, non ? Bah non, gatherer, bah non, il a moins de vie, il coûte que 40. Ah, c'est oui, le préhistorien par excellence, c'est-à-dire qu'il a même pas d'armes. Ah, il est en mode oui, okay, je me bats avec mes bras, tu vois. À côté, le clubber est plus fort. Parce que bah, clubber, il vaut 60, oui. Bah, le clubber vaut 60 et il et a. Normalement. Il est de la même manière, sauf qu'il a une arme. Là, c'est le clubber sans arme en fait. C'est ça. Et avec une peau de bête. C'est le clubber, il a pas de peau de bête. L'autre. Ouais. Donc logiquement, voilà, ils se font shoot. Je sais pas s'ils vont réussir à faire un truc. Je ne pense pas. Voilà. Donc c'est vraiment l'unité la moins chère de Tabs pour le coup. Ça va c'est être ça. 40. Donc c'est le Gatherer. Alors, il faut pas hésiter à proposer des combats avec ces unités-là. Si vous voulez voir, là on va peut-être tester avec quelques unités. On va peut-être pas tout faire, mais si vous voulez tester des unités comme le chevaucheur de mammouth ou autre, vous verrez. Voilà, c'est ça. Alors après il y a le chasseur. Donc je pense que c'est tout bonnement les archers des pays, mais les préhistoires, ils n'ont pas d'archers. Ça va être ça, mais en mode préhistorique, ah, tu vois. Oui, voilà, ouais, voilà, c'est ça. C'est les archers qui sont en mode préhistoire et qui lancent des sortes de lances, tu vois. Ah oui. En fait, ils lancent des petites lances et du coup. C'est ça. Bah, on dit, c'est pas des flèches parce qu'ils connaissaient pas les flèches, tu vois. Voilà, ils étaient pas encore. Donc, c'est des sortes de petites lances qu'ils lancent avec tout. Un arc. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Ouais, c'est marrant, c'est pas mal. Donc voilà, c'est utile parce que du coup, on avait uniquement le lancier. Ouais, on avait pas vraiment d'unité de loin en fait. Dans le chaman qui tape un peu de loin, mais ouais, il est pas très fort. Hein. C'est ouais, comme tous les archers, quand il y a trop d'unités en face. C'est ça. En même temps, on était à 1600 contre 1600, donc ils auraient pu faire quelque chose. Ils auraient pu faire quelque chose, mais non. Tu les as peut-être mis trop près. Oui, c'est possible. Alors après, il y a les barbares. Les barbares, donc eux, c'est avec. Ah, ils ont des armes aléatoires. Ah oui, d'accord. Il y en a qui ont des fourches, il y en a qui ont des armes. Ah non, ils ont tous des armes. Il y en a qui ont des petites lances, ils ont des boucliers. Des bâtons, il y en a qui ont des boucliers, il y en a qui ont des massues. Et des pieds, il y en a qui sont mieux lotis parce qu'il y en a qui ont des vraies épées, des fourches. Donc des barbares. Ah, il y en a qui a carrément deux épées. Hein. Ah ouais, j'avoue. Donc c'est aléatoire et ça, c'est des barbares. Donc c'est les mêmes que les. Moi, mais ils vont être forts. Casseurs. Bah, logiquement, ils vont être forts. Ouais. Bah oui. Il y en a qui ont des boucliers de région lourde. C'est. Voilà, ils les ont éclatés. Ah, bah, il y en a qui a carrément fait. Le dernier, c'est lui.
Et du coup là c'est vraiment aléatoire, c'est des barbares ouais. avec les armes qu'ils ont pu trouver. C'est ça, voilà, c'est un peu comme les possédés mais avec une tête cette fois. Bah en mode vraiment barbare quoi. Voilà. Alors le Axe Warrior, c'est un peu le chieftain. Ouais mais du coup c'est le guerrier à la hache. Comment il est au niveau de la tenue? Ah oui la vache. Ah c'est le corps du chaman je crois. Ah non du celui qui lance. Non c'est le corps du chaman ou de la wish. Si si c'est le corps du chaman. Ah, ouais non du, pas du chaman du si, non du bon mage. C'est le corps du mage. Oui bah c'est pareil. Et donc il tape avec une hache en pierre. C'est ça. Tout simplement. La hache de chieftain. Ah ouais il explose. Du coup il a qu'une seule hache et pas de. Oh là ouais. Ils sont très très forts. Ils sont plutôt forts. On n'a même pas le temps de le voir, donc ce que je vais faire c'est que je vais plutôt mettre un contre un pour voir s'ils ont de la vie. Bleu ou rouge? Bleu. Donc là on est sur une vidéo spéciale préhistorique. Hein. C'est ça. Donc on a mis la map en conséquence. Tribal. J'ai dit quoi? J'ai dit bleu. Non j'ai dit rouge. Regarde. Non j'avais dit rouge. Ouais mais c'est abusé. Ils sont morts exactement ouais. en même temps. Ouais mais il a dû mourir peut-être une un fraction quart de seconde de avant. Avant. Moi j'avais dit rouge, toi t'avais dit bleu. Non j'ai gagné. J'ai dit rouge. Alors le Club Master. Oh là. Alors lui il a des bâtons pour les avions. Alors c'est par ici, garez-vous. Oh là il a une tête de mort. Ouais. Il est trop bien. Mais c'est le celui qui lance. Celui qui a les lances. Ah oui. Oui c'est ça. Et du coup ça fait quoi ces petits bâtons là? Ah c'est un GRS. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il fait de la GRS avec les massues. Mais qu'est-ce qu'ils font? Des chorégraphies. Hey. Ah il vole à moitié, il tape, c'est un peu bizarre. C'est très bizarre, c'est très étrange ce genre de combat. Il reste. Oh là, les rouges sont fait exploser. Je comprends pas comment ils tiennent leur. Non, je comprends d'accord, pas non c'est très plus. Spécial, c'est nouveau, c'est. Je comprends pas. Ouais. C'est avant-gardiste. 13-13, on a mis 13 de chaque côté. Ouais, ils tiennent leur bâton en l'air. Mais c'est quoi cette unité toute pourrie? Elle est. Pourquoi ils ont des bâtons vert fluo et pourquoi ils tiennent en l'air? Comme s'ils étaient aimantés vers le haut, tu sais. Oui. D'accord. C'est très étrange, ma foi. C'est très, 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 très bizarre. Et les rouges sont moins forts. Les rouges sont moins forts. Parce qu'au final, ils non, étaient à 13-13. Si, ah, oui. si, les rouges sont moins forts, ils arrêtent pas de perdre. Mais non, ils ont gagné avant avec l'autre. Non, ils ont perdu. Ok. Je crois. Le Tamer. Le Tamer. Tamer. Ah, donc là, c'est une sorte de chieftain avec une lance. Non, c'est le truc du mage. Le ouais, bon c'est mage. Le bon mage, mais en mode chieftain avec une ouais, hache et une lance. Mais du coup, il lance des. Attends. Il lance des haches ah, ou il a une hache noire, c'est trop ouais. stylé. Oh, il a des lances noires. Mais il lance ou pas des charbons. Ah ouais, il lance et il tape au corps à corps. Ouais, je pense. Ah mais du coup, il s'arrête quand même. Ah mais là, il s'arrête, il est fixé là. Il ne s'arrête pas lancer. C'est parce que je pense que... Ah, est-ce que c'est one shot pas? Ah, c'est one shot là. Et du coup, je pense que quand ils seront très proches, ils vont se taper avec l'hache. Tu penses? Ouais. Je pense que c'est pour rivaliser... Ok. Les rouges sont vraiment pour... nuls en fait. Non, les rouges sont vraiment. C'est pour rivaliser avec les personnages qui tapent de près peut-être. Et ça se trouve quand ils tapent de très près. Oh, mais là ils vont tous les avoir. Ils ont du mal à tirer. Hein. Oui, ils ont un peu de mal. Hein. Ils tirent pas de loin, je pense. Ils sont pas réveillés dès le matin eux. Est-ce qu'ils tapent. Tu vois. Regarde. Bam. En ah, fait, de ouais. près. Ah ouais, ils tapent de près. Ils tapent avec leur hache. Regarde, ils ont ah, tous fait. Ils ont eu. Ta. Il tape de près, donc du coup c'est la seule unité qui tape un peu de loin et qui arrive à taper près. De près. C'est ça. Alors que tous les archers normalement ils sont tous explosés. Et il quoi. Nous reste. Il nous en reste quelques-unes. Le Yung Mammouth, le Jaguar Knight, le Early Whale. Bon, il nous en reste encore quelques-unes. Le donc, Yung Mammouth, c'est un petit mammouth. Ah oui d'accord. Il est impatient en fait. Il est en mode ouais. Fais y aller, c'est quand on y va. Attends, je vais mettre des gros mammouths. Des gasser. Bah les pauvres ils vont se faire massacrer. Je vais mettre un petit mammouth. Un seul petit mammouth. Un seul petit mammouth. Il est à 600. Regarde. Oh là. Il est pressé hein. Ouais. Je suis le petit mammouth. Il va trop vite. Ouais. Et bon il saute tout le temps. Il est trop mignon. Je voulais l'adopter. Tu vas adopter un mammouth. Je me déplace en petit mammouth. C'est trop bien. Il est trop mignon. Je le trouve trop mignon. Il fait des allers-retours. Ouais. Bah il se balade. Il a pas la même morphologie. Il fait moins lourd. Ouais, il fait plus dynamique. Mais attention, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un gros à côté. Ah oui, d'accord, c'est quand même. Et tu vois, il est impatient et l'autre il part super vite. Et l'autre il arrive. Ouais. Hop. Ouais, il est bourrin en fait, l'autre. Mais l'autre il fait très mal. Ouais. C'est maman et bébé mou. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Oui.
Donc là, ouais, ces petites unités qui sont assez simples à faire, je pense, au niveau mode, mais qui sont assez intéressantes. Et qui pourront être peut-être faisables dans le mode où on crée nos factions. Voilà, c'est ça. On pourra peut-être changer la taille, ouais. Faire des mini mammouths et tout. Alors le Gatherer. Non, celui-là, on l'a fait. Ok. Le Jaguar Knight. Le Jaguar Knight. Donc là, c'est un chevalier avec un bouclier. Ah oui, d'accord, il reprend le bouclier de celui qui se protège, donc... Du protecteur avec la hache, du non, la hache du chef-ten. Et du coup, c'est le chef-ten en fait avec le bouclier. Avec un bouclier. Ah ouais, il est stylé. Ah, il est pas mal, ouais. Ah, il est pas mal du tout. Ouais. Du coup, il tient le bouclier en hauteur. Ah, c'est pas mal. Donc, il tape avec son bouclier aussi. Oh là. Oh là. Oh là. Non, il va se frapper. Ah oui. Je pense que c'est calqué sur le chef-ten. Et le chef-ten, il fait un peu pareil. Non, le chef-ten, il se lance. Si, il tombe. Il tombe aussi. Il tape fort et il tombe à moitié. Oh là, les rouges ont gagné. Miracle. T'as mis plus de rouge. Un petit peu. T'as mis plus de rouge. Un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester contre le chef-ten. Un 6000. Peu plus. Voilà, 6000, on va dire que c'est bon déjà. Ça fait moi, 5 de plus. Donc, les chef-ten, ils sont comme ça. Ouais. Et eux, ils sont comme ça. Donc eux, ils ont carrément des os sur les côtés. Ouais. Tu vois. Ils ont des têtes d'os sur les côtés. Ils ont les trucs du chaman. Oula. Ah, c'est vrai, ils sont moins forts que les chieftains, hein. Ah non, oh là, ouais, d'accord, ok, ok, d'accord. Ah, les chieftains, c'est vrai. Ah, ils sont quand même défendus. Oh là, ils sont quand même défendus. Oh là 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 là. C'est une blague. Il vient des coups de pied ou quoi? Il en reste deux, il en reste deux quand même. Ah non. J'ai eu peur, je me suis dit, c'est pas possible. Non, non, quand même, pas même si on est quand même à. Ouais, mais après, ils n'ont pas mis autant, hein. Et il reste le Hurlywell, donc la première roue de l'histoire, de la préhistoire, voilà. De l'être humain. De la roue de l'être humain. Et ben c'est la roue, quoi. Donc je pense que si on la teste avec plein de clubbers, pas les clubmasters, les clubbers, ça sera déjà bien. Eh bien, il va rouler dessus. Et du coup, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Donc c'est okay. Alors, c'est un clubber. Au lieu d'un lanceur de pommes, on a un lanceur de... De hache. De hache. Non, et... bah non, le lanceur de pique, là. Eh ben, un lancier, quoi. On n'a pas le géant brocoli derrière. Non, on a le nouveau Gastering là. Lui là. Bah non, pas lui. Mais Gastering. Et on a aussi un. Lui. C'était quoi déjà? C'était un lui. Ah, c'est dur, faut apprendre des nouvelles unités, les gens. C'était Ah bah non, t'aurais pu me voir. Bon, c'est pas grave. Oh oui, c'est abusé. Il lance. Au lieu de lancer des pommes, il lance. Ah, mais du coup, lance. C'est pété parce qu'il one shot. Du coup, il recharge. Ah bah. Ouais, mais ouais. Il est déjà mort? Quoi? Bah c'est une blague, c'est trop nul. Après ça coûte que 1000. C'était le Gatherer avec le Axe Warrior. Clubmaster. Axe Warrior. Axe Warrior. Ah, c'est Warrior. Ça. Donc le là, si Axe je les mets à côté, Warrior. Si je les mets à côté, c'est ça, ça et le Gatherer qui tient. Regardez. Normalement. Normalement c'est ça. Normalement on a le problème. Regardez. On a le bon ordre. Yes, c'est bon. C'est ça. C'est ça. Donc, sauf que là, ils sont sur une brouette et ils vont potentiellement beaucoup plus vite. Ouais, mais ils vont potentiellement. Regarde ce qui se passe, c'est ça, regardez. Oh là, mais il a mal visé. Ah, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah, par contre, là, ils sont pas morts. Si. Non, non, non. Pas le lancier, mais. Meurs pas lancier, meurs pas lancier, meurs pas lancier. Défends-le, yes. Bien joué. Et les autres, ils font quoi? Ils tapent, ils tapent. Ils tapent, ils se font taper. Attention, est-ce qu'il va réussir à en tuer un? D'aussi près? Oh oui. Direct dans lui. C'est gratuit. Ouais. Ah, il va peut-être. Et ils vont réussir. Bah, pour le coup, là. Bah, temps, ah, bah, non, il a tué son allié. Oui, mais c'était plus cher aussi. Bah, oui, on est à 1400. Ouais. On va retenter quand même avec lui. Pour voir s'il y a un peu plus de chance. Moi, je pense pas. Parce qu'il tombe vite, en fait. Il tombe ça, c'est énorme. Tu vois, il lance, en fait. C'est vraiment. C'est mieux qu'une pomme. C'est pas juste genre. Après, les pommes peuvent one-shot, hein, des gens comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, en fait, il va trop vite. Ouais, il va trop vite. Oh. Il se déforme les bras. Je n'irai pas. Ah, par contre, il va pouvoir rouler tout droit là. Ouais, ah oui. Allez, 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 dégommez tous, dégommez tous, dégommez tous, dégommez tous, dégommez tous. Ah, c'est pas mal là. Ah, c'est pas mal. Ah ouais. Ah, par contre, ça vient de se casser. Ouais, qui est mort? Mais... Ah là 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 là, il reste que le chef. Il va se faire taper par tout le monde. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ah, il y a la brouette qui gêne. Il y a la brouette qui gêne. La brouette, allez. Ils sont genre, ah, on va passer. Ah non non non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort. Et non, reste la meilleure unité, la plus grosse unité qui a été créée pour la préhistoire. C'est le Chauve-Choc. Voilà. Ça. Et ça, c'est stylé, genre, parce que regardez, non seulement c'est un mammouth qui va plus vite. Et il va plus vite. Et regarde. Quand même. Ah, j'avoue. Bah, c'est un Chauve-Choc. Et ah, il tombe. Ah, il tombe au bout d'un moment. Il tombe au bout d'un moment quand il n'arrive pas à faire de rodéo. Et c'est le...
Le mage là avec avec le lancier. Bah il va plus vite. Attends, regarde, tu veux faire une course de mammouth? Ouais, vas-y. Mammouth, course de mammouth. Young mammouth et mammouth. Et gros mammouth. 3, 2, 1, go. C'est parti. Ouais, mais il est parti. Ah ouais, j'avoue. Tiens, il va aussi vite que le mammouth. J'avoue. Donc il va plus vite parce que bah il est dompté quoi. C'est un mammouth dompté. C'est un sauvage qui va de l'or en disant. C'est pas moi genre oh j'ai le temps 2 secondes, c'est genre allez. Et vous avez vu en fait il lance, alors je sais pas s'il a réussi à faire un kill, là il a visé par terre, non ouais, il a pas réussi à faire son kill. Mais d'en haut il arrive à lancer quoi, c'est ça, c'est stylé. Mais vous tapez pas, vous êtes amis. Attention. Du coup on a, il a visé. 3 mammouths différents. Oh dommage, regarde, il a failli tuer quelqu'un, donc d'en haut il peut réussir à viser. Hein. Bien joué au mammouth. Donc on a 3 mammouths différents les gens, donc ça laisse des potentiels combats. Et moi, donc je vais essayer de voir s'il arrive. Moi je veux voir si avec ces nouvelles unités... ils peuvent enfin battre les autres unités. Ouais, si tu veux, on va faire. Bon, allez. Allez, c'est parti. C'est le mini tournoi des factions de toutes les unités préhistoriques avec ce mode. Bah, ils sont quand même fait laminer par tout le monde dans notre petit tournoi des factions. Ouais, je sais. Il faudrait prendre la revanche, sachant qu'il y a des nouvelles unités maintenant. Gather, Hunter, Barbarian, Axe Warrior, Clubmaster, Tamer, Young Mammoth. Et Jaguar Knight. Knight, ça se prononce pas. Knight, je dis ce que je veux. Oui, Knight, ça ne prend pas le cas. Et voilà. Contre. Contre, bah du coup, tout. Non. Contre tout. D'abord les fermiers. Hop, 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 hop. Il est pressé, le petit Young Mammouth là. Ouais, en fait, il sautille. Allez. Logiquement, là, je pense que les mammouths, voilà quoi. Je pense que là. Oh la vache, le mammouth vient de faire décoller L'épouvantail. Le scarecrow. Il me fait trop marrer celui-là. Le Young. Ah non, lui. Non, il est genre. Yeah ah ouais, il est tombé. Ouais. Enfin. Ah, mais je crois qu'ils avaient gagné contre eux. Hein. Non, ils avaient gagné contre personne. Contre personne. Bon, le bard, il a servi à rien. Bon, attends, ils ont 3 mammouths, c'est abusé. Hein. Les pauvres. Ils se sont fait laminer. C'est pour redorer leur image. Voilà. Il n'y a pas grand chose du coup. Du coup, il y a vraiment une grosse armée préhistorique quoi. On revient de la préhistoire pour vous tuer. Oh la vache. Est-ce qu'on va réussir à shooter des unités quand même? Non, c'est bon. Il reste le roi. Le roi, c'est le plus dangereux. Bah, mais le roi là. Il monte carrément sur les autres. Sérieux, il y a tellement de mammouths qui se montent dessus. Ah bah regarde, il va monter sur le mammouth. Ah oui, il va prendre la place de l'autre. Ah oui, oui, ah oui, 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 oui. Il a réussi à capturer le mammouth. Oh, il a tué un mammouth. T'imagines, il passe. Ah, le roi. Ah, ah ouais. Bien joué pour la préhistoire. C'est quand même très gracieux, regarde. Ouais. Bah c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Bon, alors. Préhistoire encore. C'est bon. Ancien. Il doit faire du bruit en plus le mammouth. Oui, c'est possible. Boum 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 boum. Baliste. Il y a aussi des unités mythologiques, donc ça on fera ça peut-être. Ah, centurion. Ah, centurion. Ah ah, ça, c'était. C'était le truc caché. C'était le truc caché du mode. Ben il n'y en a pas d'autre, hein. Non. Non. Centurion, donc ça c'était une unité qui a jamais été mise, ouais. Qui est de base dans tous les modes, parce que c'est une unité cachée du jeu. C'est ça. Et tout simplement, alors je sais pas si on l'a déjà vu. Ah mince. Je sais pas si on l'a déjà vu, en fait c'est ça. Le centurion, c'est un romain. Oui, c'est pas un hoplite. C'est pas un hoplite. C'est lui avec une arme en fait. Avec, ok. Et avec un chapeau de romain. Ok. Comme le Sarissa, regarde. Ok, ok, ok. Donc voilà. Donc là ça fait une unité de plus. Hein. Qu'est-ce que ça fait? Je relance. Voilà. Okay. Pour qu'on ait une vue d'ensemble. Oh là là. Oh là 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 là, la baliste, elle s'est fait exploser direct quoi. Il va rester Zeus, voilà, Cimer. Allez, fais-toi rouler dessus, Zeus. Allez, voilà, Zeus qui se fait juste rouler dessus, quoi. Non, 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 il est pas mort, Zeus. Il est pas mort, regarde. Mais par contre, allez, les mammouths. Marche dessus. Un mammouth qui a les éclairs au feu. Il a le feu. Ah, il reste le. Il reste, bah, il restait. Il restait. Voilà. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont tout péter, hein. Je pense qu'ils vont tout péter. Alors, les Vikings, Ed Butler,
l'archer de glace, le brawler, le berserker, la valkyrie, le yard et le longship. Il y a un truc. Non, c'est... Ah oui. La catapulte de glace, quoi. Oh là 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 là. Mais genre, il y a des surprises dans ce mode. Attends, attends, moi je vais voir la catapulte de glace. Ça va geler. Oh. C'est abusé. Mais c'est le truc du hurle. Mais oui, c'est le truc du hurle. Hurle. C'est une catapulte hurle. Et du coup, ça se transforme. Ah oui, la vache. Ouais, c'est ça. Bah, il s'est fait rouler dessus. Ah, il a réussi à. Ah, il a réussi à geler un chieftain. Ah, c'est le hurle. Le hurle. Ouais. Tard. La catapulte de glace. Vas-y, fais voir si on met plein de catapultes de glace. Juste pour voir. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien, ça lance des trucs de glace. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. C'est une bonne idée, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Après, il aurait fallu peut-être mettre la boule. Bon, ouais, ah, c'est chiant, du mais... coup, ça fait un peu bizarre. Dynastie. Dynastie, pas de d'unité secrète. Firework, archer, monk, ninja. Dragon. Dragon. Watcha. Et Monkey King. Monkey King. Bon, normalement... Normalement, ils devraient encore gagner, bien évidemment. Mais on sait jamais, le Monkey King peut faire son efficacité à sauter de partout. Oh là là. Oh, t'as vu comment il esquive. Ouais. Ah, le petit mammouth, il est vachement bien. Ouais, parce qu'en fait, il va très vite. Non, 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 non. Tu fais Watcha, non. Et tu peux la Watcha, hein. Ah si, là, tu fais la Watcha. Il reste le Monk. Il reste le Monk. Voilà. Ouais. Eh bien. Et contre les unités secrètes. C'est terminé. Ah oui, les unités secrètes, attends. Moi j'ai hâte de voir quand même Renaissance des Pirates parce que ça va être des officiels et j'espère qu'ils vont nous sortir des trucs de ouf. Hein. Les Yester. Ça se trouve, hein. Ça se trouve. Toutes les unités de ce mode battent. Je mets les Charizard derrière quand même. Vlad. Le Hulle. Will Barrow. Le Shogun. Le Sensei. Non, non, non. Il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde. Et puis là, il y a les géants, il y a Artemis et tout. Donc je pense que. Voilà, voilà, voilà. Ils vont se faire avoir. Mais bon. Et après, les mammouths. Allez, les mammouths, allez, les mammouths, allez, les mammouths, allez, les mammouths, tu es Artemis. Ah, les mammouths. Oh non. Ah, les mammouths. Oh non. Il y a petit mammouth qui est déjà mouru. Je pense que c'est la fin pour la préhistoire. Ils ne battront pas les secrets. Ouais. Oh, exploser. Bah ouais. Il reste. Est-ce qu'il y a des morts au moins? Il y a eu. Est-ce que lui il est mort? C'est dans l'autre sens sa tête. Et... Non, il est en mode tiré. Lui il est pas mort. Il y a lui qui est en train de. De faire un câlin au mammouth. Au mammouth, ouais, je pense que même si on fait une tentative, non, en fait mort. C'est tellement puissant. Ouais, Artemis, mais travail, on avait mis toutes les factions qui pouvaient les tuer. Hein. Et c'est pas passé? Ouais, c'est passé une ou deux fois. Yo, ils se souviennent même pas des vidéos qu'on a faites. Il y a personne. Ouais. Combien de jeunes mammouths pour battre toutes les unités secrètes? Ah ouais, mais attends, ça veut du bruit, tes jeunes mammouths. Mais c'est pas grave, on va mettre plein de jeunes mammouths. Oh, tu m'envoies au casse-pipe. Je l'ai. C'est au tout exploit. Premier, c'est. Oui, je sais. Mais j'ai pas l'habitude d'avoir des trucs. Oh là 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 là. Oh là 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 là, tu vas nous faire planter l'ordinateur. Allez. C'est parti, let's 21 go jeunes mammouths vont-ils rouler sur les unités secrètes ou pas? Rendez-vous. Oh non, il y en a qui font des bouboules. Oh la vache. Oh, c'est le beau. Lancer de mammouth. Oh ouais, la vache. C'est l'abattoir. Hein. C'est horrible. Il en reste un. Ça va encore plus vite. Ouais. Combien de mammouths, chevaucheurs de mammouths peuvent battre? Ils sont quand même rapides ceux-là. Oh là, il y en a un qui a une grosse tête. Ah, j'avoue! Oh la vache! Il a trop mangé lui! Ouais, justement la vache, je crois. Mais il a une tête énorme! Mais pourquoi il a une tête énorme? On dirait qu'il est tout gonflé, mais on dirait un petit ballon. Ce sont des attrapes à les boucher, donc. Il a éclaté. Allez, les chevaucheurs de mammouth, soyez dignes quand même de votre fratrie de. Il s'est pris pour un hamster. De faction, d'unité super forte. Regardez comment il roule sur les unités! Comment ils ont repoussé les unités? Ouais, mais ils se font tuer complètement, il ne reste plus qu'un. Ah, il est passé par-dessus, tiens. Ah, il en reste un en dessous. Eh, c'est pas la peine, vas-y, bouge tes fesses. Qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas?
Ah, oh, ils ont eu le géant. C'est vrai? Ah oui, ils ont eu le géant. Et par contre, il y a Artemis, quoi. Ouais, on... Oh, ils reviennent. Oh là 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 là. Ah, il y en a un. Il y en a un qui est né rodéo, hein. Est-ce qu'elle peut se faire toucher? Non. Si, par les fléchettes. J'arrive. Ah, regarde la fléchette, elle est arrivée là. Ah oui. Aïe aïe aïe. Artemis, elle est tellement, tellement pétée. Ouais, puis là, elle s'est mise dans un coin. Elle n'a rien. Elle monte. C'est une grosse blague. Ah, mais du coup, elle va tomber. Mais du coup, elle va tomber. Si les mammouths. Elle va tomber, elle va tomber, elle va tomber. Ah oui! Ah bah elle est tombée toute seule. Ouais, yes, victoire des mammouths. Ils sont trop forts ceux-là. Après 58 000. Ouais. Est-ce que si on en met équivalent? Oh là, ça fait pas beaucoup, ça fait 10. Mais mets-en de plus, mets-en de plus. Ah si, quand même, mets-en. Ouais, ça fait 10. On va mettre un... Ouais, bah une Early Well. On va dire que c'est bon. Allez, Early Well. Early Well. Aïe 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 aïe. Pourquoi il y en a qui part? Il laisse le partir, c'est peut-être une esquive, c'est une technique. C'est pour pousser les autres après. Ah, il n'y a plus celui qui a la grosse tête, donc c'est ce qu'on va perdre. Ouais, c'est celui à la grosse tête qui a fait tout gagner. C'est un peu chaud la partie de loin là. Oui. Après, ce qui est bien, c'est que ça reste une unité quand même correcte. C'est-à-dire qu'il reste le Chieftain qui est dessus. Oui, en fait, même si le mammouth meurt, les autres sont encore là quoi. Il continue à taper, tu vois. Coup de boule. Ah ouais, non, 10 c'est pas assez. Non. Tous les mammouths sont dead. Ils sont en train de sombrer dans le cimetière des mammouths. Ouais, c'est ça, qui se trouve en dessous. Aïe, aïe, aïe. Et puis ça se trouve, ça se trouve, il est mort, le géant, parce que l'autre géant l'a tapé. Et combien de géants? Oui. Combien de mammouths? Chauchard de mammouths. Ouais, mais le problème, c'est que... Oui, ouais. C'est une unité géante, ouais, quoi, le problème, c'est... Bah, parce qu'ils vont tous se foncer dessus. Bah non, parce que un géant, c'est 6000. Oui. Bah voilà, ça en met que 2. Ah oui. Est-ce qu'à 2 on peut réussir, sinon on mettra des minutes. Tout à la fin. Je sais pas. Ouais, mais tout change. Mais tout change pas. Si. Allez. Allez. Allez, on y croit. Oh, regarde. Les mammouths. Lui, il a des gros yeux. Il a pas une grosse tête, il a des gros yeux. Lui, il a un nez comme ça, un nez comme ça. Tu vois, il se fait toucher en amont. Allez, le mammouth. Ah, oh la vache. Allez, le mammouth. Après, eux, ils tombent. Ce qui est bien, c'est que ça fait des unités de loin. On croit en toi. Le mammouth, il n'est tout... Mais lui pique pas les fesses, toi aussi. Oh non. Oh non, c'est horrible. Ouais. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a beaucoup de vie encore? Est-ce qu'il a beaucoup de vie encore ou pas? Ah oui, il y a quand même pas de la moitié. Ouais. Hein. Mais vous ne passerez... Oh non. Pas. Bande de noobs. Quoique, avec Guillaume, il va gagner. Ouais, c'est possible. Ah, quand même. Voilà. Non, il peut pas y arriver. Est-ce que les mini mammouths peuvent y arriver? Oui, ils vont se faire dégommer comme des petits jouets. Mal propre. Triple. Ouais. Ça va. Hein. Donc ça en fait 10. Les 10 les pourraient faire la même valeur. Ils sont mignons, les mini mammouths, regarde. Ouais. Oh non, il est passé au-dessus. Oh non, il y a déjà un mort. Ouais. Il est passé au-dessus. Ils ont pas beaucoup de vie. Hein. En même temps, ils sont tellement pétés. T'en as mis pile le nombre qu'il fallait? Ouais. Oh okay. La vache, c'est encore plus rapide que l'autre. Est-ce qu'il a perdu de la vie ou quoi? Attends, on va regarder s'il fait rien. Coucou, je m'en vais. Non. Ah, il se prend. Ah, si, quand même. Ouais, si, ouais, si, ouais. Même. Ouais, mais le problème, c'est qu'il tape. Bam. En zone, en fait, il est en tout limite 2/2. Non, il en tue un par un, au moins. Bam, et bam. Il en reste quoi? Un. T'as aucun scrupule? Je tue des mammouths. Les pauvres petits mammouths. Les bébés mammouths sont tous! Voilà pourquoi il n'y a plus de mammouths sur Terre, c'est à cause de Guillaume! C'est à cause des géants. Est-ce que tu penses que les Hunters ils peuvent réussir à faire quelque chose? Ah tiens, 6000. 6000 piles? Ouais, 6800. Non mais 6800 c'est pas 6000 piles. Oh génial, vraiment, 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 vraiment génial. Je pense qu'ils sont bien ceux-là aussi, hein. On a encore trouvé les points d'archers. Hein. Oui, les archers quoi. Ouais. Ah là, ils ont des lances, donc je trouve que c'est plus puissant. Hein. C'est possible. C'est des petites lances tout le temps, plein de petites lances. Aïe 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 aïe. Ça s'arrête jamais? Toujours des flèches qui arrivent. Ils se tirent tous en décalé, du coup il y a toujours des trucs qui arrivent. Tu penses que. Ils peuvent le tuer? Bah j'en sais rien. Je pense pas. Tu regarderas quand il restera plus beau de coups de machin là. Combien il y avait de vie?
Combien avais-tu de vie? Attention, suspense. Oh, et encore, j'étais à 6800. Hein. J'en ai mis un petit peu plus. Si j'en enlève, faut que j'enlève quand même quelques-uns, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. On va dire que c'est passé. Ouais, on va dire que c'est passé. Ouais, même. C'est passé quand même que pour les, non, mais les sacrés tribales. Faut nous dire pour la prochaine vidéo les combats que vous voulez avec les unités qu'on vous a montrées. Et puis, sachant qu'il y a des unités, deux nouvelles unités aussi, qui se trouve chez les médiévaux et chez les vikings. Non, j'aurais pu. Ah ouais, la catapulte d'arche. Combien de catapultes de glace pour vaincre un géant de glace? Yeah! Ta, 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 ta. Et comme les hurles, ils ne savent pas viser. Trop courant. Voilà. Et donc, prochaine attends, vidéo, attends, on fera vos combats. Il a une hache. Tu penses qu'il peut attaquer qu'une hache? Ah! C'est comme les hurles, en fait. C'est marrant. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Ça va être chaud. Yes! Première catapulte tuée par sa propre catapulte. Ah, quand même. Je me suis dit, au bout d'un moment, vu toutes les catapultes qu'il prenait... C'est énorme, cette unité. C'est marrant. C'est ouais. Un hurle catapulte. Ah, c'est marrant. Alors c'est un hurle un peu moins cher, mais qui a un moins gros débit. Mais du coup, je pense que c'est une hache plus grosse. C'est possible. C'est une hache plus grosse. Et donc, il y avait aussi, tu disais... Dans les médiévaux. Ah non, les anciens. Centurion. Oh, bah, ils vont se faire laminer, eux. Hein. Ils sont pas mal. Moi, j'aime bien ceux-là. Ils sont marrants. Boum! Ça les tue pas, hein. Ça les one-shot pas. Non. Ah, ils gardent leur bouclier! Ah oui. C'est trop. Eh? 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 Ça se trouve? Quoi? Tu sais que du coup, avec cela, on peut faire une torture romaine? Oui, bien sûr. Parce qu'ils vont t'écouter, tu penses, à mettre leur bouclier sur la tête? Ils auraient dû faire ça en mode. Faire un groupe d'unités où ça fait une torture romaine. Et ouais, du coup, c'est des marrant. Unités qui tiennent des boucliers ouais, comme ouais, ça, et hop, t'as le géant qui arrive ou une catapulte, et, pff, ouais. Et ça les envoie partout. Non, je pense bon, ouais, ils sont quand même assez tanky, hein, mais en même temps, on est quand même à 41 000, tu vois, on est bien, quoi. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous nous proposez pour la prochaine fois proposer, des combats. Bah, des combats avec les unités mammouths, combien de mammouths géants, combien de mini-mammouths pour battre un, je sais pas, une Valkyrie, des Jonchi, voilà. Des grosses unités, des petites unités, des combats préhistoire, si vous voulez, des petits mammouths contre les gros mammouths, combien de... Petit mammouth équivaut à un seul mammouth. Voilà. Tu vois, enfin voilà, des trucs comme ça. Faut pas hésiter à proposer ça. Faut nous dire aussi si vous voulez qu'on revienne sur le mode zombie, bien évidemment. Si vous préférez que la prochaine vidéo avec vos combats, ça sera sur le mode zombie voilà. Et les petits modes ou un autre mode, encore une fois. Faut pas hésiter à proposer. En tout cas, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!